Cette maman entend son fils pleurer à cause de la fille. Point d'interrogation inversé vreux et découvre des bosses rouges, elle comprend alors l'erreur fatale du M2-sin. Ah c'est dit PPR. Point d'interrogation inversé S tout le monde a déjà contracté la varicelle à un moment et je me souviens encore à quel point c'était douloureux. Mais je suis ravi de l'avoir déjà eu et que j'en sois pargneux maintenant tant adulte, car cela aurait pu, négation logique très encore pire. Malheureusement, de nombreux M2-sins ne prennent pas la varicelle TR. Point d'interrogation inversé SOS RIE. La varicelle n'est pas considérée comme tant une maladie TR. Point d'interrogation inversé S dangereuse, mais pour une maman, la maladie de son fils s'est transformée en véritable cauchemar. Ayley Lyons, originaire de Warrington en Angleterre, a conduit son fils Lewis chez le M2-sin quand sa fille. Point d'interrogation inversé vreux à grimpe de FAO en inquiétante. Ah le M2-sin lui a recommandé de lui donner un peu d'ibuprof. Point d'interrogation inversé nœud, qui est à la fois un antidouleur et un anti-inflammatoire pour la fille. Point d'interrogation inversé vreux. Elle a fait confiance à ce que disait le M2-sin et fait exactement comme il avait demandé de saut mais elle n'aurait pas dû le faire. Ap point d'interrogation inversé est-ce que Lewis s'est pris ses cachets, son tat de sainte s'est rapidement détériore, et Ayley a déconduire son fils en urgence à l'hôpital une seconde fois. Cette fois-ci cependant, il a des négations logiques pré-hospitalis à cause de la gravité de son infection. Les cachets que le M2-sin avait prescrits ont de terribles effets sur les patients qui souffrent de la varicelle, et maintenant cette maman veut désespérément alerter les autres parents autour des dangers existants. Elle a publié cela sur Facebook en 2016, mais sa mise en garde est toujours applicable aujourd'hui. Un demi la varicelle fait encore parler d'elle. Puis-je vous rappeler qu'il ne faut pas donner du Nurofen et ibuprof. Point d'interrogation inversé ne à vos enfants c'est dit à 4-10 francs M2-sin de notre local y ont prescrit cela à Lewis, car nous n'arrivions pas à faire baisser sa température. Ce médicament est un anti-inflammatoire, il réagit avec la varicelle et fait que cela se propage plus en profondeur sous la peau. Comme les M2-sins de nos hôpitaux, négation logique t'es pas de renvoyer les Lewis à la maison, disant que ce n'était soc la varicelle, nous l'avons donc conduit à Alderay et c'est là que nous avons découvert cela. Il les retrouve avec une septicémie et a été admis immédiatement à Alderay des points d'interrogation inversés est-ce que nous y sommes arrivés. Les Lewis t'es ok uniquement GROS au fait que nous n'avons pas baissé les bras et l'avons conduit dans un hôpital pédiatrique. Cela aurait pu, négation logique très encore pire si nous n'avions pas eu ces M2-sins à Alderay avec leurs conseils, leurs soins et leurs connaissances. N'utilisez que du Calpol, un médicament qui ne contient pas de paracétamol, pour faire baisser leur température. En fait, il est bien indiqué sur le site de Nurofen qu'il ne faut pas utiliser ce médicament en cas de varicelle. Nous l'avons découverte à point d'interrogation inversé S tous ces incidents, mais quand c'est un de nos M2-sins qui nous le prescrivent, qui sommes-nous pour remettre ce qu'ils disent en question? Ayley est une M point d'interrogation inversé re-attentive et a compris que Lewis était gravement malade, et tout s'est bien terminé cette fois. Sur le site web officiel du CDC vous pourrez en apprendre davantage au sujet de la varicelle et quels sont les meilleurs moyens de traiter ces symptômes. Rappelez-vous qu'aucun M2-sin ne peut prétendre tout savoir, et que cela ne coûte rien de chercher l'opinion de quelqu'un d'autre si vous êtes apostrophe. Négation logique t'es pas sert de quelque chose. Mieux vaut prévenir que guérir. Aidez-nous en partageant cet article sur Facebook afin de mettre en garde tous les autres parents dont leurs enfants auraient la varicelle.